Eh bien, j'ai commencé le piano classique à 3 ans et demi. C'est ma maman qui jouait très bien du piano qui m'a montré les premiers rudiments de cette technique. En fait, je ne savais pas lire ni écrire, et donc pour m'apprendre les notes, elle me mettait des couleurs, donc le do orange, le ré bleu, le mi jaune, etc. Mais je n'ai en fait jamais lu une partition. Comme j'avais la chance ou la malchance d'avoir une très bonne oreille, quand j'ai commencé à prendre des leçons de piano classique avec un professeur particulier, je reproduisais tout d'oreille et je faisais semblant de travailler et de lire mes partitions, et j'ai toujours travaillé d'oreille. Et même aujourd'hui encore, je suis incapable de lire une partition main gauche ou main droite. Je sais écrire une mélodie chiffrée, comme l'on dit, avec les accords au-dessus de la mélodie. Mais ce qui est génial maintenant, c'est qu'avec la technologie moderne, on a des logiciels par ordinateur qui sont branchés directement sur un petit clavier. On fait cling, 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 cling. Et tout de suite, la partition s'écrit automatiquement. Donc à l'oreille, si on s'est trompé, on peut corriger et ça se corrige tout seul. Donc ça, c'est génial. Moi, ça m'a sauvé la vie. Alors, j'ai plusieurs influences musicales, en fait. Déjà, en premier lieu, les influences du piano romantique, parce que maman écoutait beaucoup à la maison Chopin, Schubert. Donc j'ai toute cette influence-là, Schumann, Rachmaninoff. Et puis, vers l'adolescence, les Beatles. J'étais fan absolu des Beatles. J'ai même eu la permission d'aller les voir chanter au Palais des Expositions à Nice. Puis surtout le jazz, parce que j'ai été initiée au jazz classique par ma tante, qui était une passionnée de jazz, et que vers la fin de l'adolescence, il y a eu la création du festival d'Antibes-Juan-les-Pins de jazz, et j'ai vu tous les grands du jazz, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Oscar Peterson, Miles Davis, Pharoah Sanders, George Benson, Chick Corea, dans tous les genres, aussi bien dans les gospel aussi, Mahalia Jackson, Sarah Vaughan, c'était magique. J'ai entendu des très grandes voix, j'ai vu des très grands musiciens, et ça m'a donné la passion du piano jazz. Après, j'ai écouté beaucoup Fats Waller et Roll Garner, tous ces pianistes de jazz, ou les débuts du piano de ragtime, Peter Johnson, vraiment tous ces gens-là. Et donc maintenant, j'ai aussi une passion pour les grandes voix de jazz, Diana Krall, Dinah Washington, des gens comme ça. Même Norah Jones, qui est un peu plus maintenant dans la variété, mais j'aime beaucoup ces voix. Alors, ma toute première chanson, je l'ai écrite avec mon ami d'enfance, Michel Grisolia. On avait 9 ans. Et ce qui est amusant, c'est qu'on écrivait que des chansons un peu morbides, extrêmement tristes. Et ma grand-mère, habillée tout en noir, dans son fauteuil, derrière le piano, secouait la tête d'un air attristé en disant « Ces pauvres enfants, mon Dieu, où vont-ils aller dans la vie? Comment ils vont faire ?» Parce que, par exemple, la première chanson, toute première, ça commençait comme ça, en regardant ma main vieillie et toutes ses veines qui se tordent, je pense à ce monde pourri. C'était complètement dramatique, révolutionnaire, et nous on hurlait de rire. Ça nous amusait énormément de faire des chansons un peu réalistes comme ça, très premier degré. Après, j'ai écrit une berceuse pour la naissance de mon petit frère, j'ai commencé comme ça à écrire des chansons de plus en plus. C'était en fait notre récréation et nos jeux d'enfants. Et ce qui est génial, c'est que en fait, j'ai jamais l'impression de travailler. Même aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que je continue mes jeux d'enfants. Et je joue. Je joue du piano et je joue à faire des chansons. Et je joue à chanter. Comment les mélodies me viennent? Je ne sais pas. Elles arrivent comme ça. Elle rentre pas dans ma tête, canal du premier chakra peut-être, et puis elle m'envahisse, et il faut que je la note tout de suite, parce que
souvent je pense que je vais m'en souvenir et je m'en souviens pas. Donc j'ai toujours mon petit iPhone, mon dictaphone tout près de moi, même la nuit, parce que quelquefois quand je me réveille, j'ai des mélodies qui arrivent comme ça et je me dis « Ouh là là, faut pas que je l'oublie », donc tout endormi, je chante dans mon iPhone pour pouvoir la jouer le lendemain au réveil sur le piano. Mais ça peut m'arriver, je sais pas, dans l'ascenseur, en voiture, et c'est jamais quand j'ai envie que ça arrive. Quelquefois, on a des envies de faire une belle chanson parce qu'on vient de vivre une belle émotion, on veut une mélodie qui arrive à traduire ce moment extrêmement fort et tout, et on se met au piano et on trouve rien du tout. On trouve que des choses banales et donc c'est jamais sur commande, c'est la surprise, ça m'est envoyé, ça je pense que ça m'est envoyé, que je ne suis qu'un réceptacle et qui reçoit cette musique pour la redonner ensuite. Oui, j'ai écrit toutes les musiques de mon répertoire sauf deux qui ont été écrites par André Pop et Astor Piazzolla, qui était un homme extraordinaire. Et André Pop aussi d'ailleurs, mais enfin je veux dire, c'est les deux exceptions. Je veux dire, mon mode d'expression, c'est la mélodie. Je me sens plus mélodiste que compositrice, parce que pour moi, être compositeur ou compositrice, c'est écrire de la grande musique, savoir écrire une orchestration sur le papier, sur la table, et ça je ne sais pas faire. Je reçois une mélodie, je la transmets, et je me sens vraiment mélodiste et je peux m'exprimer que par la mélodie. Quand ma mère est morte, le jour de sa mort, j'ai joué du piano et les voisins sont venus à la maison pour dire « c'est une honte, elle joue du piano le jour de la mort de sa mère » et mon père les a envoyés balader parce qu'ils comprenaient très bien. Et donc c'est mon moyen de m'exprimer. Oui, j'ai adoré ça, écrire des musiques de films, parce qu'elles sont très différentes. J'en ai pas écrit beaucoup, mais quelques-unes, avec des climats très différents, des réalisateurs très différents. Et à cette époque, il n'y avait pas les logiciels qu'on utilise maintenant, donc on travaillait au chronomètre, à l'image, c'était très précis. J'ai travaillé avec Roland Romanelli pour les arrangements et c'était une vraie joie, quoi, parce que on doit vraiment travailler à l'image. C'est comme quand on travaille sur mesure pour quelqu'un d'autre. Ça, j'adore ça aussi, écrire des chansons pour d'autres personnes, parce qu'on rentre dans l'univers de quelqu'un d'autre et donc on s'adapte au texte qu'on a sous les yeux, bien sûr, comme je le fais pour moi-même, mais en même temps pour la personnalité de l'autre personne, pour sa tessiture vocale ou autre chose. Et le cinéma, c'est pareil. On rentre dans l'univers de l'image, de ce que le réalisateur attend de nous, en fait. Ça, j'adore ça. Je travaille vraiment en collaboration, le mot avec la note. Je veux dire, en général, quand on s'enfermait dans la maison avec mes auteurs de prédilection, Michel Grisolia et Françoise Malé-Joris, on s'enfermait pendant des jours et des jours, des semaines, pour être baigné que dans cet univers. Et on faisait une parenthèse de tout le monde autour de nous. On était baigné du matin au soir là-dedans. Et donc, c'est là où on a écrit nos plus belles chansons. Donc, on me propose un brouillon de texte. Je dis un brouillon parce que c'est déjà très écrit, mais c'est très modulable. Et l'impression que je reçois en lisant les premières lignes va m'inspirer un climat musical que je vais transmettre tout de suite au piano. Et sur ce climat musical, je construis la mélodie qui vient ou qui vient pas, mais en général ça vient parce que le texte est très fort et donc il appelle la mélodie. Et à partir de cette mélodie se construit le reste de la chanson. Donc à chaque fois c'est un va-et-vient entre les mots, la mélodie, les mots, la mélodie, ce qui donne cette impression que la chanson n'est écrite que par une même et seule personne alors qu'on était trois. Et
Après, je veux dire, quand j'ai écrit avec d'autres auteurs comme Delanoë, Isabelle Mayreau, Dominique Valls, Jean-Jacques Thibault, toutes ces personnes de grand talent, je veux dire, j'ai travaillé de la même façon, mais souvent il y a des auteurs qui préfèrent, comme Serge par exemple, me donner des textes qui sont déjà écrits, ou même un peu Dominique Valls a été comme ça aussi, il fallait qu'il s'enferme et puis il me livre un texte et c'est à moi de l'habiller musicalement. Mais ça j'aime pas trop. Je préfère avancer en même temps, et puis surtout que c'est beaucoup plus agréable au niveau de la création parce qu'on fait que rire. Même si on écrit des chansons dramatiques, étant donné qu'on se donne le droit de se tromper, de dire des bêtises, de faire des erreurs, on n'a aucune gêne quand on est dans la création. Donc c'est un délice de moments privilégiés comme ça et très 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 drôle. Oui, j'ai écrit pour d'autres artistes, surtout des femmes, je m'en rends compte. Donc je fais appel aux hommes maintenant, évidemment. Mais donc j'ai écrit pour Juliette Gréco, pour Mireille Mathieu, pour Pauline Julien, pour Bibi, pour Sylvie Vartan dans le cadre d'un show des Carpentiers. C'était des choses très très amusantes à faire. Puis j'ai eu des chansons qui ont été reprises par des grands noms, comme Nana Mouskouri qui a chanté « Nous ne serons jamais plus seuls » ou Zaz qui a repris « La Parisienne ». Donc ça, c'est des grandes joies et c'est un honneur pour moi, j'adore ça. Oui, je prépare un nouvel album qui va sortir en automne 2020 avec 20 chansons complètement inédites, et pour les textes et pour la musique. Des textes inédits de Françoise Malé-Joris, des textes inédits de Michel Grisolia, des textes inédits d'Isabelle Mayreau et des musiques inédites de moi, des textes aussi inédits de moi, un texte formidable écrit sur mesure pour moi par Serge Lama. Donc je suis très très emballée par ces beaux cadeaux. J'ai adoré faire cet album parce que c'est l'album qui me ressemble le plus, parce que je l'ai enregistré seul avec mon sonorisateur qui me suit sur scène depuis des années, plus de 20 ans. Il s'appelle Yann Lemaître, c'est un génie du son et il m'a pris la voix vraiment d'une façon très présente, très chaleureuse, très sensuelle. J'ai adoré et j'ai enregistré cet album en jouant du piano pendant que je chantais, en live complet comme je suis sur scène, et je n'ai fait aucun re-re, quoi. Donc ça, re-re pour les non-initiés, c'est des ré-enregistrements. On enregistre le piano d'abord et après on chante ensuite. Non, je me suis livrée complètement d'un seul jet et c'est ça qui m'a intéressée, et de retrouver le grain de ce que je peux donner sur scène. Voilà. J'ai plein de chansons dans mon ordinateur, dans tous les genres. J'ai des chansons qui attendent d'être chantées, que je ne peux pas chanter moi-même parce que la tessiture vocale est trop étendue. Et je ne commande pas ce qui m'arrive. Quand ça arrive, vite, je l'enregistre et je la garde en attendant sa naissance dans mon ordinateur. Donc j'ai des chansons aussi bien jazzy que des leads classiques, que des chansons pour chanteurs ou chanteuses à voix, que des choses très très intimistes. J'ai des chansons déjà pour un prochain album, parce que je pouvais pas en même une trentaine quand même, 20 c'est déjà pas mal. Donc oui, j'ai beaucoup de chansons et beaucoup de musique, même sans paroles. Et voilà, donc à bon entendeur, salut.